Donc bonjour, moi c'est Colline Guigné, je suis donc étudiante en master à l'Université de Genève et je participe au projet Plastoc qui est organisé donc par l'ASL où on cherche à comptabiliser et à caractériser les différents microplastiques qu'on retrouve donc sur les plages du lac Léman. Et le but à la fin de cette recherche va être de déterminer pourquoi telle ou telle plage est plus impactée par les microplastiques qu'une autre en essayant d'analyser les différents courants mais également les différents vents qui pourraient entraîner une quantité importante de microplastiques sur une certaine plage. Et on s'intéresse tout particulièrement au Léman parce que c'est le plus grand lac alpin d'Europe, mais c'est également un lac qui est autant pollué par les microplastiques que la mer Méditerranée. Et donc on constate déjà des impacts sur la biodiversité. C'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur et qui devient nécessaire de trouver une solution et d'agir tout de suite.